L'avenant numéro 19, qui a été signé par l'USPO et l'assurance maladie, vise à récupérer les 148 millions d'euros que les pharmaciens avaient gagnés en plus grâce aux honoraires de dispensation spécifiques. Ces 148 millions d'euros ne sont pas de l'argent sale. Ce gain supplémentaire est tout à fait légitime. Les confrères le savent bien, et la dernière assemblée générale de la FSPF s'est clairement exprimée contre les propositions formulées conjointement par l'USPO et l'assurance maladie pour récupérer ces 148 millions d'euros. À l'unanimité, les présidents départementaux de la FSPF ont voté contre la signature de cet avenant, rejoignant ainsi la position du Bureau national. La FSPF est un syndicat au mode de fonctionnement démocratique. Je ne prends pas mes décisions seul sur un coup de tête. Les sujets qui touchent à l'avenir de la profession et qui engagent l'ensemble des confrères, comme l'avenant numéro 19, sont largement débattus au sein du Bureau national, en conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Ce sont ainsi plus d'une centaine de pharmaciens titulaires, exerçant dans toute la France, dans des grandes ou des petites officines, en milieu rural, en centre commercial ou en zone urbaine, qui participent aux choix politiques de la FSPF. Ils sont appelés à se prononcer sur les questions économiques, conventionnelles, sociales, portant sur l'évolution du métier ou encore sur l'exercice coordonné avec les autres professionnels de santé. Mais il faut encore aller plus loin dans le processus démocratique. Et nous travaillons à l'élaboration d'un système qui puisse permettre à l'ensemble des confrères d'exprimer leur opinion afin d'éclairer notre Assemblée Générale. Mais attention, être consulté ne veut pas dire décider, et le vote final appartiendra toujours au président départemental. Notre volonté est de travailler avec tous les acteurs de la pharmacie, ordre, associations, groupements, syndicats, étudiants, afin de faire évoluer le métier de pharmacien. L'UNPF, par exemple, que nous avons consulté, s'est déclaré également opposé à l'avenant 19. La démocratie, c'est aussi respecter les résultats des urnes. La fédération, avec 53% des suffrages portés sur les syndicats représentatifs aux élections des URPS, est le syndicat majoritaire qu'ont choisi les pharmaciens. C'est pourquoi, ne pouvant tolérer une signature minoritaire amenant une baisse de la cotation d'un acte, pour la première fois dans l'histoire des conventions des professionnels de santé, la FSPF a signifié à la CNAM une opposition majoritaire à l'avenant 19 de la convention pharmaceutique. Nous ferons tout pour défendre l'intérêt des pharmaciens et les valeurs de la démocratie, le respect de la majorité issue des urnes.